amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de crash test. Alors un crash test de quoi mon chéri? Une lance à eau. Une lance à eau. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, ça a l'air formidable ça. En fait c'est voilà quoi la lance à eau? C'est là, une lance à eau de pompier, non? Ouais, ça on va l'avoir dans le dos et ça c'est la lance. Ah c'est cool, en fait c'est un pistolet à eau version pompier quoi. Ouais, il faut faire vraiment comme ça. Ah ouais, il faut faire comme ça. Alors il va falloir qu'on teste ce produit. Voilà, on a dit on allait tester ça sous forme de quoi? Sous forme de challenge. Un petit challenge. Donc on va mettre un peu des squishies de partout en fait. Des squishies, on est dans un parc. Voilà, tout simplement, avec des toboggans et tout. Dans un camping à côté de la maison. Ça va. Et on va mettre des squishies partout et on va essayer de tirer dessus avec la lance à eau. Bien sûr, celui qui aura fait tomber le plus de squishies aura remporté le challenge. Ça vous dit? Oui. Par contre, je vous dis les amis, on remercie la société Gearbest, hein, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Je mettrai de toute manière le lien dans la description de nous avoir envoyé cette super lance à eau. Enfin, on va voir tout de suite si elle est super parce que on l'a pas testée encore. Bah oui. Donc on y va, let's go. Oui. Allez, let's go. Bon, déjà on va l'ouvrir. Bah, ça va être compliqué là. Voilà. Ah bah non, en fait c'est moins compliqué que je pensais. Alors là, on a un premier petit truc. Hein. C'est le réservoir. Alors tu montres ça un peu. Le super réservoir, donc ça se met où? Dans le dos. Et dans le dos, oh là là, tu vas pouvoir tirer là beaucoup. Où on fait. Mais attention, Jean. Là. Attention, on va être trempé avec ça. Là, ici, on a le bouchon. Là, on va mettre de l'eau, on a le bouchon. Pour ouais. Là. Et puis là, on a des sangles, en fait, ça doit être pour mettre comme un sac à dos, en fait. Ouais. Et après, dans le petit sac, qu'est-ce qui te reste, loulou? Comment on peut faire? Déjà il reste ça. La petite poignée et puis la lance avec le tuyau. Donc on va le monter tout de suite et on passe au challenge et au test surtout. Ok, allez, c'est parti. Ça y est, on est équipé, donc fais voir un peu. Waouh, trop bien. Ça pèse. Hein. Ouais, ça pèse, ouais, c'est quand même assez lourd. Il y a un réservoir qui doit faire quoi? 2,5 litres, je pense. Ouais. Ouais, 2 litres et demi, c'est un peu lourd, donc c'est pour ça que je pense que Corentin va le porter dans le dos. Mais Océane, elle a essayé, c'est un peu lourd pour ton petit dos, donc toi tu le mettras par terre à chaque fois, d'accord? Ouais, ça ne dérange pas? Non, hein, comme ça ce sera plus simple parce que je pense que c'est un peu lourd pour ton petit dos, c'est quand Attends, même plus grand. Alors que je vous montre un peu le challenge en quoi il consiste, est-ce que vous voulez connaître les règles? Bah oui. Alors en fait j'ai mis des squishies un peu partout dans le parc, je vais vous montrer où. Donc il y en a un ici, alors c'est papa qui l'a mis là-haut, le gâteau, voilà, tout là-haut, vous le voyez? Il est là, donc là il y a un gâteau squishy que vous connaissez d'ailleurs. Ici, donc là, on se dirige vers le toboggan. Et où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il a disparu? Oui, il est tombé là. Il y a les frites et il y a le popcorn. Alors. Ah, le popcorn. Donc, le popcorn, on va le remettre ici. Et les frites? Alors, on va mettre le popcorn ici. Mets-le là, louloute. Voilà, maintenant, je vais aller mettre les frites. Tu me les donnes? Alors, les frites, on va aller les mettre là-haut. Voilà, ici. Hop. Tout en haut les frites d'ici. Voilà. Et là-bas nous avons la tablette de chocolat. Ici. Voilà. Pour les règles, donc c'est simple. Vous avez un réservoir d'eau chacun. Et vous devez faire tomber les 4 squishies qui sont cachés dans le parc ici présent dans le camping. Voilà. Donc est-ce que vous vous sentez prêt? Alors à chaque fois que vous faites tomber un squishy, bien sûr, vous gagnez un point. Donc celui qui aura le plus de points aura gagné le challenge. D'accord? Oui. D'accord. Alors c'est Corentin qui commence, il est équipé. Ouais. Donc Océane, si tu veux, tu peux jouer pendant ce temps. Et puis après, ce sera à ton tour, d'accord? Oui. Alors c'est parti Corentin, top départ, t'es prêt? Oui. Allez, on y va, je te suis.
Bravo, c'est pas possible. Tu as marqué quand même. C'est pas possible, il tient trop. Tu crois? Oui. Tu crois? Bon bah c'est pas grave. Donc tu as gagné 3 points sur 4. Ça c'est cool. T'es fort ou t'es pas fort? Aïe, la rose pop. C'est au tour d'Océane, alors c'est papa qui porte parce que comme je vous ai dit c'est un peu lourd pour son petit dos, je trouve que c'est quand même adapté pour les plus grands. Donc on y va, alors papa est le porteur et Océane est le pompier, alors on y va, c'est parti. Alors on commence par le plus dur, allez vas-y. C'est la fin de ce petit challenge. Bravo Corentin, tu as gagné. Tu as gagné 3 ouais. à 2 pour Océane. On compte que 2 points parce que le troisième, c'est papa qui l'a gagné. Ouais. Mais bon, je trouve que papa, il est quand même plus nul que Corentin. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si Corentin est plus fort que son père. Parce que franchement, il a mis plus longtemps à faire tomber le troisième. Océane, c'est normal que tu aies perdu parce que t'es un peu plus petite. Je trouve que le jouet, il est plus adapté au plus grand comme Corentin. En même temps, c'est normal hein, parce que bah, c'est un peu lourd. Et puis, il faut savoir viser surtout. Mais est-ce que t'as aimé quand même ce challenge, Loulou? Ouais. Ouais. Est-ce que tu voudras recommencer un challenge comme ça? Oui. Oui. Et toi, Loulou, est-ce que ça t'a plu? Oui. Au lieu d'arroser ta maman. Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Alors les amis, on espère que vous aussi, ça vous a plu. On remercie encore Dear Best de nous avoir fourni ce super pistolet. On a d'autres choses à vous montrer, les amis, en vidéo de ce site. Oh. On mettra le lien de l'article dans la description. Qu'est-ce qu'il y a, Louloute? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et surtout à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao. Ciao, ciao, les amis. Bisous, bisous.